du phallus pour bien comprendre, voir passer l'ola. Un jour comme celui-là, la regarder. Un de ces jours où il n'y a plus rien, plus grand-chose, lorsque soudain, elle ouvre le rideau. À l'angle de la rue Milaïs et de la rue Bruni, en plein cœur de la Barcelone médiévale, le printemps se fait attendre. On attend longtemps, parfois, et on oublie d'espérer. Les fleurs s'assouplissent comme des édifices postés dans un éternel vis-à-vis. Au loin, et tout à coup, un souffle léger, un rayon de soleil déjà s'est infiltré dans l'entrelac de ruelles pour jaunir ce froid sec de décembre. Elle avance. Elle a son transistor sur l'épaule, un petit sac dans le dos. Barcelone, c'est l'hiver. Elle arrive à l'angle des rues quand la chose se produit. Le transistor s'éteint, elle s'allume une cigarette, le silence se fait. Saturé de pierre, les fleurs baissent leur regard. Et le piano, quelque part, se met à retentir. Elle lève les yeux, le blanc jaune tourne sur elle-même, le piano ondule, soleil froid sur son visage, ses cheveux volent. Pour moi, le piano portait de là, justement de cette terrasse-là, et depuis que j'ai rêvé du piano, c'est vraiment aujourd'hui.